Vous savez ça? Hein? Vous savez que c'est à partir de la nuit que le jour se produit. Or, qu'est-ce que tu as semé pour que le jour apporte la grâce? Donc, quand vous levez, à partir de minuit, cette nuit-là, c'est une transition. Le mois de mai, avril va partir. C'est le mois de mai. À partir de minuit, commencez à parler au mois de mai. Dites au mois de mai, je ne dois pas avoir de problème financier. L'argent, là, ça ne va pas me manquer. Hein? Si tous les sorciers, les plaies, pièges qu'ils ont préparés, n'ont pas eux-mêmes tombé dedans. S'ils voulaient me manger, et qu'eux-mêmes, on les mange. Amen. Amen. Commencez à parler au mois de mai. Le mois de mai ne va pas m'apporter la souffrance. Le mois de mai ne va pas prendre tant d'argent. Or, le mois va enregistrer ce que tu as dit. Le mois de mai, c'est que je n'ai pas eu dans le mois d'avril, et que le mois de mai me donne ça. L'argent. L'argent ne doit pas manquer, la santé ne doit pas manquer. Vous réglez tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment sérieux. Si vous avez raté ça, ce n'est pas bon. Est-ce que ma bien saisi? Ne jouez pas à cette transition. D'un mois à un autre mois, c'est vraiment très sérieux. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Soulevez-la tranquillement. Mettez-la sur le jeûne. Hein? Mettez-la sur le jeûne. La vieille. Bien. C'est comme ça. Tu es resté pendant 2 mois, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. On va finir maintenant avec délivrance. La vieille. Tu es sûr que tu veux que ta fille soit délivrée? Est-ce qu'elle veut que ta fille elle veut que vous délivrez, délivrez votre sa fille. Qu'est-ce que tu as fait? Ça non. On t'a parlé où? Nous, on revient sur les mêmes questions 1000 fois. Même si on sait. C'est ça qui fait dire les autres. Ça les dit. C'est comme ça. C'est bon, pour la carte. Les gars, on a. Mais les gars, pour les civils. Oui, moi, je ne peux pas. Je t'ai dit ça, Maton. Il dit c'est ton jour. C'est ta semaine. On a un peu de naïf. On a un peu de naïf. Tu vois même pas un peu. Tu le vois un peu. À peine. Elle est belle, non? Très belle. Elle est bonne, ses yeux. Oh, il est là, il est bien. Elle dit quoi? Elle dit c'est ça. Mais oui. Il est là, il est bien. Oh, bon, bon. Comment tu parles comme ça? Toi tu gardes ta fille et puis tu me parles comme ça. Non. Je suis ici là, tu dois mettre tes mains en zone pour donner pardon. Et quand on met un enfant, moi, est-ce qu'on mange un enfant? Une fille belle comme ça, là, est-ce qu'on peut vendre ses yeux? On aborde le sujet, ça doit être fait, tu dois demander pardon. Elle était là quand Roger est mort, non? Elle était là. J'ai pris mon temps pour bien. J'ai bien vu le dossier. Il faut dire ça là. On a. Si elle s'amusait ça, moi j'ai dit ça devant tout le monde, ça va l'emporter. On a. À mon âge, nous devons être compris. Non, c'est pas. Elle a abri dans le moment. Qu'est-ce que tu veux? Ça, il est bon. Parce qu'à partir de demain, elle a commencé à prier pour elle. Elle veut la guérison de sa fille. Qu'est-ce qu'elle a fait à sa fille? Oh, ça, non, on a eu, c'est pas. Ça veut rien dire. C'est quoi le bonhomme? C'est quoi le bonhomme? Elle dit de la manière qu'elle a tué, ils ont mangé l'enfant de l'une de ses camarades.
Donc, elle a aussi remboursé ce crédit. En quoi faisant? Encore, on passe ici. Ça, c'est ce nom. Non, c'est pas quoi là. Coco. Quand on bosse, ça se nomme comme on bosse. Oh, ça se nomme et il bosse. Et nous, il a voulu savoir. Non, c'est pas les yeux. Les yeux, c'est pas voir un pouvoir mystique. Elle a transformé en peu. On a. Il a mon autre bosse. Il a un pire. Pourquoi il y a donc mon bout de monde? Comment t'en aller? Il faut dire aussi ce qui, ce que tu as fait, ne nous laisse pas parler, il faut dire. Ça fait longtemps d'être ici, c'est maintenant que j'ai commencé à prendre le dossier pour que Dieu puisse délivrer ta fille. Ça te dit rien. Elle dit si. Tu devrais t'approcher de son petit prophète. J'aimerais que ma fille soit délivrée. J'espère que tu parles mal. C'est à cause de ça là, que nous sommes ici seulement. C'est pas qu'à bouche nous parler. Il savait que moi, il peut te faire tomber tout de suite. Moi, je ne vais pas faire les sorcelleries. Hein. Toi, je ne vais pas te louper. Je te dis ça, je ne vais pas te louper. Je dis ça à moi, je dis, toi, je ne vais pas te louper. Tu allais manger les reins. Les reins. Et il s'est parti. Ah, mais écoute, détruire, c'est facile. D'abord, mon agrément, il me dit, vous demandez pardon pour la délivrance de sa fille. Et puisque elle a peur de vous un peu, raison pour laquelle elle ne s'approche pas souvent, donc elle vous demande pardon. Vous avez raison. Pourquoi la peur de moi pour toi? Bon, ça, on nous le donne. Et vous voyez, non, dans l'album. Dans l'album. Naturellement, elle est timide. Non, pas. Elle ne connaît pas vraiment vos. Je veux dire que. Vos totems. Non, vos caractères. Vos caractères. Raison pour laquelle elle ne vous sert pas la main. Moi, c'est pas la main, c'est les yeux de ta fille, elle a qu'à guérir. Moi, c'est comédie, t'en viens de faire la main. Bon, là, il court le dessin. Tu dois t'approcher pour venir confesser. Pour dire, j'ai envie de parler. On a. Oh, quand toi et mon ensemble, c'est moi qui parle. Tu dois même me parler pour dire, pardon. Je n'ai pas. Viens, je vais parler. C'est ce que je veux voir en toi. Oh, secondo, ça parle à nous. On croyait mon tour. On n'a pas comme il y a au sort. On a pas dit, non. On est né à un problème de bien. On peut bien. Disons pour là, non, un cœur brisé, nous avons bien, un cœur bien. Mais on a mon voisin. Non, à mon voisin, mon bien, mon bien. Jusqu'à dimanche, ta fille doit guérir. On a. Tu veux d'après ça? On a. Il y a un cœur, 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 il y a un cœur. C'est un peu ça. Tu vas parler? Il y a un cœur. Demain, dans la journée, quand je vais venir, je vais te prendre. Toi et moi, ta fille, on va parler dans le bureau. On se prend au cahier. Moi, au bureau, on me dit, au cahier, on se dit, à comment, bureau, on prend, c'est à demain soir, on va commencer à prier pour la Zaroko. Se prend, à comment, Zaroko, on me dit,
tous les crédits, tout ce que tu as fait sur ce lit là, il faut leur dire ce qu'ils ont mangé, n'ont qu'à ramener ça. On a goût à peu là, quoi du goût, n'ont qu'à là, n'ont pas à dire, n'ont pas à dire là, n'ont qu'à aller chercher, nous qui est, nous pays. Moi, qui est là? Va t'asseoir. La petite là, ok. Viens. Viens, la petite là, viens. Viens. Désiré, on a su ton dossier, hein. On va finir ça. Aïe, aïe, du cas dimanche, on va boucler. Ça va que demain, il est monté un peu. J'ai accéléré les choses. Ça va? Où est sa mère? Sa grand-mère? À quel âge? Hein? Tu fais quoi? Hein? Oui. Des sorcières. Qui t'a donné la sorcière? On a délivré les enfants. Viens ici. Oui, Junior. Où est la petite? Petite Vitaille. Grasso. Elle est petite, elle est vieille. Je ne sais pas comment elle a appelé ça. Grasso. Vous voyez sa tête? Non, elle est deux. Elle est où? Tu l'as grâce au. Tu dis que tu es petit. Quand tu l'as dit, tu es petit. Tu as quel âge? Hein? Tu es étonné. Vous pouvez donner combien? Hein? Une vieille, elle a 15 ans. Elle a 16 ans. Hein? C'est une vieille mère. C'est une vieille mère. 16 ans. Mais quand tu prends ton temps en train de t'envoler la nuit, ça va qu'un temps pour grandir. Ça va? Vous criez qui? Moi, il y a une là-bas qui a déjà fait enfant. Mais Dominique, la 14, elle a fait enfant. Mais elle est délivrée. Hein? Elle vit chez nous ici, sans problème. Les parents ont peur de l'envoyer à la maison. Mais elle est restée. Oui, si, si. C'est ça le problème. Quand les gens sont délivrés, ils ne croient pas. Vas-y, ici, mangeur d'âme, délivré. Tu vois ça? Hein? Voilà. C'est pour dire que nous délivrons les enfants, nous les battons. Ce n'est pas maltraitance d'enfants. Nous les délivrons. Ils sont ici, les vies avec nous, sans problème. Allez, vous asseoir. Nous les délivrons sans problème. Nous délivrons les sorciers. Or, c'est l'endroit le plus sûr. Si un sorcier qui visite dit qu'il pratique encore la sorcellerie, dites-lui qu'il ment. Je vous dis, chaque homme de Dieu a sa grâce. C'est comme la naissance de Jésus. Si une autre personne, hein, qui vit encore cette même chose, c'est que la naissance de Jésus n'a plus son sens. Si un autre mari qui vierge, qui fait un enfant, la naissance de Jésus n'a plus son sens. Dieu, là, quand il a donné un don à quelqu'un, il a donné le don. Moi, je sais comment délivrer un sorcier. Juste que je l'amène à prêter un serment. Ce n'est pas une question de grâce. Quand il prête le serment devant Dieu, il meurt. Nous avons vécu de ses expériences. Allez demander à Zaroko. Partout, nous sommes passés dans le corps du roi ici. Tous les sorciers qu'on repris, les associés sont tous morts. Si un sorcier dit, non, je suis allé chez le mauvais grâce, je refais la sorcellerie, il n'est pas mort. Il ment. Tu es sorcière? Oui. C'est qui grand fait, petit fait? C'est qui grand fait, bébé fait? Qui t'a donné? Ta maman, combien t'a donné? Pas fort, hein? M'a donné ça dans l'air. Dans l'air. L'air. Vas-y, elle dit l'air sain. Moi, je voulais entendre sain, mais elle dit l'air. Parce que l'air là, souvent on met dans un café pour boire. Et puis il y a le sein. Donc c'est dans le sein. Le lait maternel. Voilà, donc c'est bien expliqué. Comment est-ce que tu as donné ça? Parle fort, hein, parle fort, parle fort, parle fort. Quand tu étais bébé. Oui. Et puis tu as fait quoi? Tu m'as dit de faire travail dans mon
Ne gardez pas dans ton papa. Et puis tu as gâté. Tu as fait comment? Hein? Comment t'as pris ces papiers? Comment t'allais prendre ces papiers? C'est une petite, elle dit non, j'ai dormi avec elle. Elle va te manger. Maman, la nuit, la mamie, toi derrière là, la petite elle te prépare. Elle fait que genou. Oh, que genou là, on peut manger ça rapidement. Elle invite tout son quartier, te mange. Ma tête est là, tu meurs des césar rénales. Hum? Comment t'allais prendre les papiers de ton papa? Hein? Et puis tu allais prendre le papier. Tu as gâté qui encore? Ton tonton. Comment il s'appelle? Comment tu l'as gâté? Hein? Elle a chié dans son parfum. Elle va expliquer. Attendez. Tu allais chier dans son parfum. Elle a fini son séjour. T'as chié. Écoutez. T'as chié dans son parfum. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Hein? Oui. Peut-être pourquoi? De son travail. Venez. La grande-mère va conter l'histoire. C'est ton fils. L'enfant, ton fils. Mon deuxième fils. Et le monsieur en question, dans le parfum dans lequel il a chié, et qui pour toi? Le parfum, l'enfant est au Sénégal, mon fils. Ah ouais, son fils au Sénégal, c'est ça? Ouais. Le monsieur en question, là, c'est ça? Oui. Son tonton en question. Fils, son tonton. Ouais. Il est au Sénégal. Quand l'enfant m'a appelé, mon fils m'a appelé un jour, maman, prépare mon retour. Je dis, prépare ton retour, maman. Quand les gens vont à l'étranger, ça veut te chercher pour que nous ayons une vie meilleure. Comment est-ce que je prépare ton retour? Je dis, je suis parti au bureau. Tout le personnel est sorti que je sens. Maintenant, ils ont dit notre patron, Leblanc. Leblanc est venu, lui, il ne pouvait pas tenir. Il dit, Boka, va te laver au moins 2 jours de repos. Nous, on ne savait pas tout ça là. C'est quand elle-même, son sang fini, 6 millilitres de sang, elle a 3 globules rouges, 4 globules blancs. Quand le docteur m'a demandé de pousser les examens plus loin, drépanocyte, tout ça là, j'ai fait. Maintenant, le docteur me dit, l'homme a une tablette. Donc, puisque l'hémoglobine sort peu, alors la tablette ne reçoit plus de sang pour distribuer dans le corps. J'ai dit, c'est pas possible. L'enfant est né. Dieu me l'a donné. Il est né dans ma mère ici à Divo. C'est une chouette, sa mère habitable. Et quand elle est partie avec l'enfant, l'enfant revient aujourd'hui. Dieu avait donné tablette qui circulait, qui donnait le sang. Et aujourd'hui, l'enfant revient, elle me donne, m'impose l'enfant que tiens votre enfant que vous faites malin là. Tiens votre enfant. C'est comme ça qu'elle m'a donné. À 1 à 8 mois. Et l'enfant s'en allait pas. C'est un prophète abidien. Non, le parfum. Je venais sur le parfum. Voilà. Maintenant, le parfum. Donc, après 2 jours de repos, j'ai dit à ses soeurs, il y a eu le petit de mes enfants, Dieu a fait grâce aussi. Elle a des révélations. Elle a pris ça en compte, elle dit c'est l'enfant. Mais comme on n'est pas prophète chez soi, nous on n'a pas cru à ma fille. Mais elle nous a demandé de prendre. Et le monsieur, il a été renvoyé. Dieu merci, avec les moments de gêne que nous avons, voilà, toute la famille, la petite famille, il n'a pas été renvoyé. Mais pour son papa, une chose, il a fait, comment dirais-je, la pêche. Donc pour rentrer à la marine, on dit qu'il faut le livret maritime. Donc je devais donner 250 000. Mes enfants et moi, nous sommes débrouillés, on a donné 250 000. Mais l'enfant, il est parti au port. Il ne peut
peux pas avoir place même. C'est là elle me dit, c'est par jalousie, comme sa maman n'est plus mariée à son papa, il a dit forcer de garder son travail. Ok, ramenez le micro. Comment tu as fait pour aller chiller dans le parfum? Mon oncle se trouve au Sénégal. Tu as fait comment pour arriver là? Hein? Le serpent s'est envolé pour partir. Et arriver là-bas, t'as chier dans le parfum. C'était pour détruire la famille. T'as détruit qui encore? Ta tante. C'est qu'est-ce qui a gâté dans la vie de tante? Tu as pris son passeport. Oui, il faut expliquer. Tu as caché. La fille, elle fait des choses horribles. C'est ça, non, elle est en Angola. Oui, je le... elle est dans l'air. La Guinée, puis. L'Équatorial. Où ils ont fait ballon? L'Équatorial. Ah, l'Équatorial. Donc, elle devait aller. Quand elle est arrivée, j'étais devant la porte. Vous connaissez les maisons d'Abidjan, là. Ceux qui ont vu meilleur, ils ont des grandes maisons. Mais un petit point que j'ai. Voilà, la fille devait aller faire son marché au Black. Elle dit, maman, comme au Black, ça vole trop. Tiens mon sac. Maintenant, j'avais l'une de mes petites filles, bébé, et je l'avais. Bon, pour ne pas mouiller son sac, elle a mis tout juste à côté de moi. Maintenant, quand elle rinçait la petite fille finie, je vais prendre le sac, je dis non, faut pas l'eau va gâter son passeport et son visa. Je suis rentrée à peine coucher l'enfant. J'ai fait ma main comme ça, ma main a traversé. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Jusque là, le sac. Et à 2 jours qu'il devait partir. Le sac a disparu. Le sac a disparu. Et c'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait. Nous allons tenir des beaux premiers. On va pousser le procès demain. On va pousser ça demain. Vous avez vu un peu les méfaits de la sorcellerie? C'est pour ça que nous combattons la sorcellerie. Et beaucoup sont ceux qui sont comme ça victimes dans leur maison. Amen. Nous allons ensemble lever les mains. Et tu vas combattre. Détruire la présence de la sorcellerie dans ta vie. Libérer tes enfants. Libérer ton foyer. Libérer tes affaires. Libérer ton corps. Prions ensemble, Seigneur. Nous combattons. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, paix. Ouvre la bouche, paix. Merci de te manifester dans ta vie. Toi qui as le voir, la voix. Tu es le Seigneur, le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons que le Seigneur. Merci de te manifester. Merci d'agir pleinement. Je compte sur toi. Oui, notre Dieu, qui t'en règne bien, Seigneur. Viens et libère maintenant. Viens et agis pleinement, notre Dieu. Viens au nom de Jésus-Christ. Libérer encore sa vie. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi.